précédemment dans Endowed. Donc ce n'est pas Ben, c'est Bane. Et il vous reste le grenier à visiter un de ces quatre, c'est la partie la plus intéressante de la maison. Ça, c'est le livre des ombres. Hein ? C'est un livre de magie que j'ai trouvé sur cette table. Un livre de magie ? Oui, et j'ai lu la formule à la deuxième page qui aurait pour but de nous donner nos pouvoirs. Nous donner nos pouvoirs ? Entendu ? Elle est morte. Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, on va trouver une solution. Bon, Julia, tu m'expliques pourquoi on doit faire ça pendant l'été? Parce que je me présente pour être élue reine pour le bal de rentrée. J'ai proposé au directeur de m'occuper de l'organisation, histoire de faire un peu du lèche-botte. Attends, mais pourquoi on doit faire ça, nous? Parce que vous êtes mes amis. D'ailleurs, je pensais qu'on allait être que Jade, moi et Teddy. Mais du coup, vu que vous êtes rentrée avec Ryan, ça va aller plus vite. Jade est là? Oui, je sais, tu l'aimes pas, blabla. Mais trois mains d'œuvre en valent plus que deux. Mais maintenant que vous êtes rentré avec Ryan, ça va aller plus vite. Ouais, mais depuis tout à l'heure, tu fais que des snaps. Teddy, va aider Jade avec les cartons derrière, s'il te plaît. T'es vraiment une tête à claque. D'ailleurs, Anna, tu m'as toujours pas expliqué pourquoi vous êtes revenue plus tôt que prévu avec Ryan. Ça, c'est le livre des ombres. Un livre de magie? Oui, et j'ai lu la formule à la deuxième page qui aurait pour but de nous donner nos pouvoirs. On se sentait pas très bien là-bas, donc on a demandé à notre mère de rentrer plus tôt que prévu. Et elle est restée là-bas? Ouais. Ok. Dis à Ryan de venir nous aider la prochaine fois. Ouais, y'a pas de soucis. Je vais pas tarder à y aller aussi. Tu viens ce soir à ma soirée avec Teddy et Ryan? Ouais. Ok. Juliana, y'a Teddy qui a besoin de toi pour un truc. Ah ok. Bah d'accord, j'arrive. Oh Anna, pourquoi t'es revenue si tôt? Désolée Jade, je peux pas trop te parler là, je dois y aller. C'était si nul que ça la campagne? Non pas du tout, c'était pas la campagne, c'était la maison de ma grand-mère. Bon, c'est pareil, ça devait être ennuyant quoi. Non pas du tout, j'ai appris à faire beaucoup de choses. C'est ça Mito, t'as appris à faire quoi? À traire des vaches et nourrir des poulets? Non, j'ai appris à faire ça. Waouh, c'est super, t'as appris à lever les bras. Allez le vase, tu vas bouger. Putain. Ah t'es là? Alors c'était comment? Bon apparemment on doit aider Julia pour son truc de bal, elle s'est présentée à la rentrée. On doit y être si possible tous les jours. Tous les jours? Oh elle saoule. Ouais. Bon tu fais quoi? Tu t'entraînes? Bah ouais c'est super important, pas toi? Si je me suis entraînée hier soir mais je fais une fois sur deux. Et toi t'y arrives? Non, à chaque fois que j'essaie de faire bouger quelque chose, c'est quelque chose d'à côté qui bouge. Ça me saoule. Regarde, là si j'essaie de faire bouger la chaise... J'ai pas visé. Oh, t'inquiète pas, c'est que le début, on va y arriver. Ouais. T'as quoi à la main? Dis-moi pas que c'est mes 10 euros. Non, c'est nos 10 euros. Tu sais, pour la soirée de Julia. Ah, c'est ce soir? Oui, et apparemment, on doit ramener quelque chose, donc on va lui ramener un gâteau. Et tu fais quoi? On a besoin de 15 euros pour acheter le gâteau à la boulangerie. Et donc? Tu te souviens après qu'on ait vécu Bane? Donc ce n'est pas Bane, c'est Bane. Toi, sorcier des enfers, disparaît à tout jamais sous terre. Toi, démon de flamme et de feu, plie-toi devant le pouvoir des deux. Disperser ses cellules à travers le temps et l'espace, afin que Bane n'y ait plus de place. Ouais. Bah, je t'avais dit que j'avais peur de devenir une sorcière, de combattre ces choses. Anna, je sais que ça peut faire flipper, histoire de démon de sorcier,
Même moi au début, je ne voulais pas y croire tellement ça me faisait flipper. Mais comme je t'ai dit après qu'on ait vaincu Bane, en s'entraînant, on deviendra plus fort. Regarde, j'ai passé toute la matinée à m'entraîner. Maintenant, je vais réussir à faire bouger ce vase. Toujours pas. Et ben justement, je me suis faite à l'idée d'être une sorcière. Franchement, je trouve plein d'avantages. Regarde la mine d'or que j'ai trouvée. Formule pour dupliquer un objet. Et en quoi cette formule... Oh mais grave, mais attends, il n'y a pas une règle dessus? Ce serait trop facile. Quelle règle? Utiliser la magie à des fins personnelles est formellement interdit car il pourrait y avoir des conséquences plus ou moins graves. Il pourrait avoir des conséquences. On a une chance sur deux de rien avoir. Tu veux vraiment prendre le risque? Oui, allez, fais avec moi s'il te plaît. Hein, quoi? Pourquoi moi? Bah, il faut pouvoir de deux pour que ça marche, non? Allez, s'il te plaît. Bon, ok, mais s'il y a des problèmes, tu les règles toute seule. Oui, allez, concentre-toi. Oui. Regarde bien le billet, faut pas quelque chose d'autre dans la salle soit dupliqué. Ouais, je sais. Allez. J'en fais appel au pouvoir des sorciers, que l'objet de l'objection soit dupliqué et que deux fois plus son existence puisse s'affirmer. Oh, oh, ça a marché! Tu penses que je peux faire pareil avec mon compte bancaire? Allez, viens. Tu vas me donner ton pain entier. Mais de quoi vous parlez? Laissez-moi tranquille! Ça fera 15 euros, s'il vous plaît. Bien sûr. Ha! Tu m'échapperas pas! Je t'avais dit qu'on n'avait pas le droit de faire ce genre de choses. Oui, mais j'en ai cloné qu'un, l'autre était vrai, pourquoi les deux ont disparu? Bah, c'est ça ta punition. Mais attends, ma punition c'était mes 10 euros. On doit utiliser ce genre de formule pour aider les innocents à combattre les démons. Sinon, elle serait pas dans le livre. Ouais. C'est ça que vous voulez? Tenez! Hey! À toi. Anna! Ah, oh. Ah, oh. Oh, j'ai réussi. Ça dure combien de temps? Je sais pas, mais trop vite, quelque chose à faire. On doit la ramener à la maison.
Merci. Dis-moi, Sonora. Oh, c'est trop beau. Dis-moi, Sonora, est-ce que vous savez c'est qui le mec qui vous a attaqué? Non. Non, je sais juste qu'il s'appelle Narcos. Et ça fait quelque temps qu'il me traque. Vous traque? Oui, il était gentil au début. Tout ce qu'il voulait, c'était mon pendentif. Et puis lorsqu'il a vu que je voulais pas lui donner, il m'a attaqué. Ce pendentif? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un pendentif que ma mère m'a offert. Elle m'a dit qu'il me protégerait du mal. Bien sûr, je n'ai jamais cru. Jusqu'à ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'était qui cet homme? Et pourquoi il voulait mon pendentif? Et vous? Vous êtes qui? On est des sorciers. Enfin, des apprentis. Hein? Je sais que ça peut paraître dingue, mais vous devez nous croire si vous voulez qu'on vous aide. On a pour but d'aider les innocents et de combattre les démons. Mais oui, bien sûr. Je reviens. Salut. Salut, je peux pas trop parler là. Ah ok, c'était juste pour la soirée. Julia m'a demandé de vous dire de ramener 5 euros pour l'alcool. Mais je bois pas l'alcool moi. D'accord. Bah dis au moins rien de... Désolé, je vais te laisser. C'était quoi ça? Attends. Mais elle est folle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne croyez pas quand je lui disais qu'on était des sorciers, du coup j'ai montré mes pouvoirs. J'ai cassé un truc et elle a flippé. Ah, c'était toi le bruit? Oui, mais elle m'a donné ça. Elle pense que si elle l'a pas, le démon ne sera plus après elle. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi le démon le veut. Elle nous a dit qu'il est censé protéger les gens du mal. Et là, le démon, c'est lui le mal. Mais ouais, c'est bizarre ça, mais on fait quoi du coup? Je sais pas, on sait même pas où elle est partie. Mais c'est trop dangereux pour elle. En tout cas, tout à l'heure, je lui ai donné mon numéro de téléphone au cas où elle a un problème. Mais le démon... comment elle a dit qu'il s'appelait déjà? Narcos. Le démon, peut-être que... Attends, Narcos, c'est pas une série sur Netflix? Bon, on s'en fout de ça. Peut-être que Narcos ne sera plus après, vu qu'elle a plus de pendentif. Ouais, mais maintenant il sera après nous, vu que c'est nous qui l'avons. Ok, c'est reparti pour la chasse aux démons. Yep. Maman, je suis rentrée. Du temps. Je ne l'ai plus, laissez-moi tranquille. Hein? Tu l'as caché où? Réponds. Je sais pas, les sorciers. Je crois les sorciers, je leur ai donné. Laissez-moi tranquille. Sorcier? Narcos est un mauvais sorcier de niveau 2 qui peut lancer des boules d'énergie, éjecter ses cibles et se télétransporter en clignant des yeux. Le reste est flou, enfin, c'est déchiré, c'est... je vois pas. Ah,
On peut le vaincre avec cette formule. Et t'as trouvé quelque chose sur le pendentif ? Oui, regarde. En fait, ce pendentif permet de bloquer toute magie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il en existe qu'un seul au monde, c'est pour ça qu'il est très convoité. Sérieux ? Bah, laissez un truc dessus. Tu vois ? Ah, mais c'est pour ça qu'il le veut, mais... C'est Narcos à pendentif. Il serait immunisé contre tous nos pouvoirs. Et il deviendrait invincible et on ne tiendrait pas 5 secondes devant lui. C'est pour ça qu'il faut le vaincre maintenant. C'est sonore, hein ? Oui. Allô, Ryan ? Allô, Sonora ? Tu vas bien ? Oui, super. C'était pour te dire que j'ai réussi à tuer celui qui était après moi. Hein ? Comment ça ? Bah, il est venu chez moi et par peur, j'ai pris un coup de boue et je l'ai poignardé. Quoi ? Sérieux ? Bah oui, je suis soulagée. Je voulais venir ce soir chez vous pour vous remercier. Ah, ce soir ? Ce soir, on est chez Juliana. Bah, ce soir, on est chez une pote, mais tu peux passer si tu veux. C'est l'immeuble 19 en face de la forêt à côté de chez nous. Ok, super, merci. À ce soir. Ok. Alors ? Elle a réussi à tuer le démon. Comment elle a fait ? Elle a pris un couteau et elle a poignardé Narcos. Mais il faut la formule pour tuer Narcos. Et le pouvoir des deux. C'est nous le pouvoir des deux. Ouais, je sais pas. T'es sûr qu'elle l'a vraiment tué ? Bah, pourquoi elle nous mentirait ? Bon, moi je dis qu'il vaut mieux ramener la formule avec nous, Caro. Comment ça, avec nous ? Ce soir, on va chez Juliana, non ? Ah non, mais on peut pas y aller, il faut lui expliquer la situation. Salut Julia, ce soir on peut pas venir parce qu'il y a un démon qui lance des boules d'énergie et qui veut nous tuer. Tu en veux un peu de coca ? Ouais, non. Mais de toute façon, t'as dit à Sonora qu'on était chez Juliana. Du coup, si Narcos est là, tu fiches la pièce, on dit la formule, et tout va bien. Tu fiches une fois sur deux. Regarde. Non. Je te promets, elle avait 16 ans. J'étais choquée. Choquée. Mais non, pas l'action de vérité. Oh. Oh. Mais on a plus 10 ans. Mais non, Juliette, t'abuses. Oh. Allez, ça va être drôle. Je peux jouer. Non, retourne dans ta chambre. Maman m'a dit que tu devais te coucher à 21h. Il est minuit. Mais elle est pas là. Même. Elle m'a demandé de te surveiller. Donc va dormir. J'avoue. Bon, vas-y, je commence. T'as dit action ou vérité ? Vérité. J'étais petit aussi. Bon, à moi. Anna, action ou vérité ? Action. Tu vas aller dans la forêt, là-bas, toute seule. Et tu vas prendre une photo pour nous prouver que tu y es. Toute seule ? Mais il est 1h du matin. T'es malade ou quoi ? Je suis sûre que tu vas pas le faire. Non, toute seule, c'est mort. Ryan, tu viens avec moi. Non, fais-le toute seule, c'est nul sinon. Julia, s'il te plaît, dis-lui de venir avec moi. C'est chaud ton truc quand même. Bon, ok. Allez. Oubliez pas la photo, hein. Ouais, ouais. Wouah, c'est chaud. Comment tu sers à rien? Il est 1h du matin, je vais pas sortir dans les bois maintenant. T'es un grand malade. Mais tranquille, il va t'arriver quoi? Bah, je sais pas, je pourrais être HMO ou tomber malade. Ou même me faire tuer par un démon, enfin, je sais pas. Il est mort, le démon, je te dis. Julienne, hein? Mets-le au parleur. Allô? Oui, vous êtes où? Je vous attends, là. Mais tu voulais pas qu'on aille au bout de la forêt?
Non, c'est bon, rentrez, j'ai besoin de vous. Oh, ok. Bah, on arrive. Elle veut qu'on rentre. Mais elle est bizarre, elle. Je sais pas, vas-y, viens. Attends, attends. Oh mon dieu, quoi? Attends, c'est sûrement le démon. Oui, bah justement, vite. Attends, on n'a pas de plan d'attaque. À 100%, il va s'attaquer à Teddy et Julien, on a chance du pendentif. Mais faut se dépêcher, on va pas les laisser tous mourir. Si on n'a pas de plan d'attaque, on va tous mourir. Dépêche-toi, tu proposes quoi? T'as toujours le pendentif? Oui, pourquoi? Vous en avez mis du temps. Anna, fiche la pièce. Un seul mouvement et elle meurt. Laisse-la tranquille, elle n'y est pour rien. C'est nous que tu veux, laisse-la partir. Faux. Je veux mon pendentif. Ton pendentif? Si vous n'aviez pas intervenu tout à l'heure, il serait à moi. Si vous n'étiez pas intervenu. Anna, c'est pas le moment. Vous avez 10 secondes pour me donner le pendentif, sinon je la descends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. C'est bon, je vais vous le donner. Ben enfin, donnez-le-moi. Promettez de la libérer et de partir d'ici si on vous le donne. Je n'ai qu'une parole. Vous ne la faites pas l'envers. On vous le donne, vous partez d'ici et vous revenez jamais. Tenez. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas de plan derrière la tête. Bon, vous le voulez ou pas? Bon, relâchez-la maintenant. Ah. Vous pouvez plus rien contre moi, vous êtes vraiment trop bête. Espèce de fils. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Rien, la formule, vite. Pourquoi vos pouvoirs ne sont pas bloqués? Narcos, esprit étroit, démon entité. Que le mal que tu as causé te fasse offrir à ton tour et que le pouvoir des deux ne te permette de voir un nouveau jour. J'avais dit qu'elle allait servir cette formule de duplication. Oh mon dieu. T'inquiète pas, ils sont juste assommés. Oh mon dieu, Lina. Elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, on va trouver une solution. Qu'est-ce qu'on... On va trouver une solution. Il faut appeler la police. Et leur dire quoi? Bonjour monsieur, un démon vient de tuer la petite sœur de notre ami. On leur dit qu'un fou s'est introduit dans la maison. On serait les seuls conscients, mais non, ça paraîtrait trop suspect. De quoi tu parles? Il y a deux personnes assommées et une personne morte devant nous. On est les seuls qui sont debout. Mais on pourrait être suspecté de meurtre. Mais bien sûr, on passe pour les coupables. La narco s'est désintégrée, il n'y a plus aucune trace de lui. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Ok, tu le livres hier. All new in town. Ok, c'est reparti pour la chasse aux démons. Quoi? T'as perdu tes pouvoirs? T'as bien compris le plan?